Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno. Et aujourd'hui, je vous parle du film The Snowman de Thomas Alfredson, sorti en combo Blu-ray, DVD et copie numérique le 16 janvier 2018, et mettant en vedette Michael Fassbender, Rebecca Ferguson et Charlotte Gainsbourg. Un détective ayant de la difficulté à maintenir sa vie familiale en place et avec un problème d'alcool, se fait entraîner dans une enquête non officielle que sa nouvelle partenaire poursuit et qui pourrait lier d'anciens crimes à de nouveaux cas de disparition de femmes. Ceux qui connaissent les drames policiers et d'enquête à la Scandinave vont reconnaître tout de suite certains éléments récurrents du genre. Un monde froid, une atmosphère lente et lourde, un protagoniste avec des difficultés personnelles et des personnages qui sont toujours dans une zone grise. Cependant, The Snowman se situe un peu plus du côté américain et tente de faire un film d'enquête policière à la Scandinave, tout en s'adressant à un public plus américain. Ce qui fait que le film joue moins sur l'ambiguïté que beaucoup d'autres films du même genre. Le développement des personnages est intéressant, mais on sent que le film manquait de temps pour exposer toute la complexité des relations du personnage principal avec le monde, avec sa famille, avec son enquête. Puisque le film est tiré d'un roman, c'est souvent un sentiment lié au fait que le livre est probablement beaucoup plus fourni en détails et en atmosphère que le film. Mais on sent aussi que le film aurait pu être adapté en série télévisée plutôt qu'en film pour vraiment laisser la chance au scénario de se dérouler sans empressement. Une des caractéristiques des films de ce genre étant l'espèce de lenteur menant à un tourbillon d'événements. Le film reste cependant très intéressant, plus complexe que les films à l'américaine et avec moins d'explications rationnelles sur tout ce qui se passe. Les personnages sont intéressants, terre à terre, et le scénario, qui n'a peut-être rien de très original, est bien exploité dans le contexte norvégien. Les acteurs semblent tous se donner à fond pour tirer le maximum de leurs personnages, et on sent le talent de réalisation derrière le film aussi, avec certaines scènes particulièrement bien filmées, dont la scène du lac au début du film. Le film est présenté en format d'image 1.85, en anglais DTS HD Master Audio 7.1 et DVS 2.0, ainsi qu'en français et espagnol DTS Digital Surround 5.1, avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve une présentation des acteurs et des personnages, un documentaire sur la création de l'univers de l'auteur Joe Nesbø, sur le meurtrier du film, des images des panoramas norvégiens et sur le tournage de la scène du lac. En conclusion, je dirais que le film, même s'il est très bon, manque de place pour s'exprimer entièrement, soit parce qu'on a tenté de rendre le film plus accessible à un public large et moins habitué à des films plus complexes, soit parce que l'adaptation du roman en film laisse toujours cette impression de laisser des détails importants de côté. Bref, un film à voir tout de même, intéressant et divertissant, avec d'excellents acteurs et un scénario qui nous garde en haleine tout le long. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.